Hey le vélo gang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui eh bien on va présenter un petit vélo, c'est le vélo de ce monsieur. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo avant qu'elle ne commence. Et puis sur ce eh bien on va passer à la présentation de ce vélo et après au ride. Hein, tu vas nous présenter ça hein. Bon alors, présente le vélo. C'est un Profine Spindrift 2021. Ok. Vous pas. Alors on va commencer déjà par la fourche. Ouais. C'est une RockShox Eric Ultimate 2020. Bon, en vrai c'est pas mal hein. Ouais, bon, je l'ai envoyé en révision. Voilà. Y a pas toujours un peu d'huile qui... Ça pue un peu voilà. Ouais bon, ça marche au moins. La morto, j'ai une amorto RockShox Super Deluxe. Après... Ouais, ton amorto il est pas mal. On va parler des freins. Ouais. Bon, les freins. Des bons freins, hop, des V4. Ouais. J'ai acheté des disques là. Petit, hop, il a changé les disques, puis en gros ils étaient... Bah, usés et voilés à l'arrière. Ouais, à l'arrière il était voilé, donc il freinait tout seul. Après j'ai des poignées Ergon, les Factory. Ouais. Voilà, je suis un petit kéké avec ça. Ouais bon. Oui parce qu'il a mis voilà. Il a mis voilà les trucs brillants, waouh. Sinon, un petit guidon chromag. Ouais. Franchement, j'aime bien ton guidon chromag. Sinon on va parler sur le groupe derrière. Ouais. Mais sur un petit bout X0. X0 les gars. Bon après il est pas un peu foutu genre. Non il est un peu voilé, on le voit un peu mais ça va. Ouais il est un peu tordu mais en vrai ça va, il marche bien. Il marche très très bien. Et ta cassette je crois que c'est du... Non c'est aussi du X0. X0 Ouais c'est ça. Donc transmission t'es pas mal franchement. Les pédales je connais pas la marque. Ok. Ouais. Par contre elles sont clean. Ça va, à part une où il manque une vis mais... En vrai ça on s'en fout. C'est tant que ça accroche c'est bien. Ouais. Sinon on a des jantes. Évolution, nous évolution. Alors perso je connais pas. Moi non plus je connaissais pas, mais je sais pas si c'est bien. Ce que ça donne. Hein. En tout cas elles sont pas voilées non. Non. Donc, non. Bon bah voilà c'est clean. Ouais. Ton cadre il est en alu. Ouais. Bon, il est un peu poncé en vrai. Ouais mais bon ça. Mais en vrai ça va, j'aime bien. C'est juste l'amorto me perturbe de fou à l'arrière mais. Mais sinon c'est clean. En pneu t'es en quoi? Je suis en pneu Michelin. En 2-4. Ouais. Je vais bien se changer parce que c'est usé, hein. Craquelé. Ouais. Craquelé tout ouais, là, les gars. Là. On le voit, ils sont. Je sais pas si vous allez voir à la cam, mais ils sont tout craquelés et tout, c'est un peu. Ouais. Sinon, je prends un peu. T'as une petite selle chromag. Oui, petite selle chromag, bien sûr. Et puis bah tu vas aller changer du coup les pneus, tu y vas passer sur des Schwalb et la chromag, du coup, c'est une selle Telesco. Il fait quoi? Il fait combien en quoi? La selle Non, le vélo, s'il vous plaît. En prix ou. En poids. Le il poids faire du 14. Ok, et en prix tu l'as payé 1004. 1004, ouais, d'occasion. Moi je dis j'ai fait de très bonnes affaires. Ouais, franchement, c'est un beau bike. Les freins c'est du 200 je crois. C'est du 200 oui. Ouais, donc ça freine vachement bien. Donc bah, tu vas pouvoir beaucoup plus bombarder qu'avec ton scrapper et tes pneus de rock rider. Puis bah aujourd'hui tu vas nous ride un peu. Ouais on va. Fais nous écouter la roulie parce qu'en vrai elle est sympa sur le bike. Déjà on va baisser la chaîne au télescopique. D'ailleurs celle télescopique, il y a un truc qui a été changé dessus parce que elle était assez usée. Ouais la roulie bah, est quand même vachement sympa. Hein. Très belle roulie mon pote. Bon allez c'est parti, on va aller rouler. Bon il a déjà t'as déjà roulé un peu avant avec. Hein. Donc tu connais déjà un peu le vélo. C'est un peu mouillé hein, donc bon. On va pas vous faire des dingueries aujourd'hui. Ouais bah lui il descend deux à l'heure. Hein. Waouh. Non t'inquiète, ça va tout seul Mathias. Allez Mathias. Oui. Non dommage. Allez, drop quand même, essaie de drop. Prends un peu plus de vitesse. Et voilà. Allez, allez. Ça va faire les escaliers de Tchala. Y'a rien. Tchala Tchala Grand. Et bah voilà, il passe tout seul. Ça va, il amortit plutôt bien. Et regardez après fait.
Allez Mathias, allez, 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 allez. Ok. Le gros DH. Le débutant. Waouh. Allez, 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 allez. Tire, tire. Bon, ok. Oh, le petit magnol. Non, non, je l'ai collé. Waouh. Wesh! De quoi? Tu atterrissais à plat, c'était pile. Genre t'as juste piqué de l'avant en fait. Ah ouais? Mais si tu tirais, tu atterris pile bien. Bah voilà! Tout simplement! Wouah! En fait, tu commences à un peu gérer là. Putain là, il y a une tache là qui fait tache. Mais les gars, mais c'est pas de la merde, c'est des... Vas-y, j'y vais. C'était pas de la merde, c'est une blague. Let's go. Je veux de la plaque, plaque, plaque. Antonin, bouge, bouge, bouge. Ah, il a pas tapé. Ok. Donc on part d'ici. Quentin, bouge, bouge, bouge! Allez Mathias, allez! En fait, moi j'ai un derrière tout seul. Ah, il a tapé! Kylian n'a pas tapé. Et Quentin. Ah, Quentin, il a tapé là! Ah! J'ai tapé! Moi je pue! Automatique, enculé, là. Il est en auto aussi. Let's go. Wesh. Bon, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la présentation de ce vélo vous aura plu. Franchement, Mathias, il a fait une bonne affaire et c'est cool parce que il va enfin pouvoir bombarder avec un vrai vélo parce que le scrapper était un peu... Bah, c'était pas un vélo ouf ouf non plus. Et puis bah sur ce, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour la prochaine vidéo. C'était le vélo gay. Tchuss.